Boris Johnson était heureux d'apposer son nom sur un document qui fait du Brexit une réalité après 4 ans et demi d'amertume. Merci beaucoup à tout le monde. Je veux que tout le monde comprenne que le traité que je viens de signer n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. 4 heures et demie d'examen parlementaire ont été consacrés au nouvel accord qui s'élève à quelques 1246 pages, couvrant des échanges commerciaux de 850 milliards de dollars. Les parlementaires ont laissé le choix entre le chaos du no deal et l'accord du gouvernement. Le Premier ministre britannique a par la suite nié que l'accord ait été le premier à mettre en place des barrières faisant obstacle au commerce. Il y aura des changements et nous avons été très clairs sur le fait que les gens doivent se préparer pour le 1er janvier. Les choses vont fonctionner différemment. Le contrôle de la pêche était un appel aux armes pour les Brexiteurs. Toutefois, dans le cadre de l'accord commercial négocié avec Bruxelles, seulement 25% des droits de pêche de l'UE dans les eaux britanniques seront remis à la flotte de pêche britannique sur une période de transition de 5 ans. Beaucoup moins que ce que le Royaume-Uni avait exigé, mais la taille des captures contre l'économie dans son ensemble a rendu la pêche politiquement opportune. Ensuite, bien sûr, il y a des coûts supplémentaires, certains attachés à un mouvement plus lent des camions à l'entrée et à l'extérieur de l'Europe, des chauffeurs transportant une poignée de nouveaux papiers sur le Brexit. En état de préparation, le gouvernement déchire de grandes parties de la campagne anglaise pour construire des sites de détention de camions, évitant une répétition du chaos inspiré par la Covid avant Noël. Cet endroit n'est pas le seul casse-tête du Brexit qui pèse sur la Grande-Bretagne. Le gouvernement est toujours en train d'embaucher 50 000 fonctionnaires des douanes pour superviser les formalités administratives. Des préoccupations existent des deux côtés de la Manche. Si on écoute les autorités françaises et britanniques, oui, on nous parle de frontières intelligentes, on nous dit que tout le monde est prêt. Maintenant, nous, ça ne nous empêche pas d'avoir des doutes, hein, comme je vous le disais, le moindre grain de sable. Alors c'est tout, n'est-ce pas? Brexit fait et dépoussiéré comme promis si efficacement par Boris Johnson aux élections législatives d'il y a un an? Eh bien pas tout à fait. Sous l'œil attentif de ce qu'on appelle le Conseil de partenariat, des dizaines de commissions filtreront tous les aspects du commerce, ce qui permettra aux deux parties d'être à l'ombre d'une sombre éternité de négociations sur le Brexit.